T'en veux-tu? Certain, c'est... Tu sais, on va partager. Quelle sorte celle-là à Alexandre? C'est une IPA de la microbrasserie Île-de-Garde. C'est la première fois que j'en parle pendant mes lives. C'est une gang qui vient de Victoriaville à l'origine, puis qui sont à Montréal depuis quoi? 5 ans? Il me semble qu'ils ont parti pas mal en même temps que moi, mais avant de son tomber dans l'écran. Tiens, on va styler ça. Excuse-moi. Oui, sorry. Non, Île-de-Garde. Tu me ramèneras à Canada. On était ici, puis ça existait. Ça commençait, là, ça. Ouais. Ben, c'était le vidéoclub au début, là. Ah, c'est vrai. On a dû faire un 7-8 ans. Plus que ça. Ah, ouais, ok. Tu vois, je pense qu'il y avait pas mal parti en même temps que moi. Puis moi, ça fait 5 ans. Bientôt 5 ans. 2017. On ça a fait 5 ans. Ça fait pas longtemps qu'on est arrivé ici. Ouais, ok. Oui, parce qu'on avait dit, ah, tu sais qu'il est dans un des trams américains, ça va être des gars de Victo qui vont ouvrir ça. Oui, ok. Ah, t'es bon. Ah, ouais. Moi, je me rappelle pas autant. Tu peux aller toucher le sapin derrière toi et nous dire la matière. Ben, j'ai pas besoin d'aller le toucher, mon cher, parce que c'est moi qui l'ai acheté, puis je peux te garantir que c'est un sapin bleu. Un sapin bleu que j'ai acheté à la sapinière chez Michel. Puis Michel, c'est un des rares à avoir du sapin bleu. C'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est un sapin, je pense qu'il pousse juste au Québec. Hein. C'est toi qui connais, me semble, plus. En tout cas, du moins, il est très répandu au Québec. C'est un sapin qu'on a beaucoup au Québec, puis que j'ai pas cru voir vraiment ailleurs. Mais bon, je dis ça sous toute réserve, là. Fait que c'est ça, c'est un sapin qui est un peu plus gris bleuté que vert. C'est vraiment beau. Voilà. Sharky, tu m'enlèves les mots de la bouche. Il y a quoi avec ton short? Ben, je sais pas la kiffance, là. Je comprends que Fortnite a l'air de triper bien raide, mais bon. À chacun ses excitations, faut croire. Il est pas sur le bon live. Ouais, c'est ça, il est pas sur le bon live. C'est pas un live de... The show me your ass. Ouais, c'est ça. C'est un live de dégustation de la bière et apprenons plus sur la bière avec Emily. Pourquoi tu penses que tu as touché le sapin? Ouais, c'est ça. On a les matières premières, oh yeah, Blue Man au Québec. On a plein de matières premières, je suis bien d'accord. C'est quoi ta bière préférée? Jay, je dirais, c'est la New England IPA. Fait que de la bière de ce style-là, donc une IPA très trouble, tropicale, moins amère qu'une IPA ordinaire. 7. Yes, c'est un Québécois accent. It is. Bonsoir, le solitaire. Bonjour de France, salut David. Oui, t'es Adamson, on a des sapins en plastique, mais moi, je préfère prendre un sapin, pas en plastique, un sapin naturel, parce qu'à Montréal, on a un très bon système de récupération. Fait que les sapins, ce qu'ils font, c'est qu'ils les prennent, ils les mettent dans des chuteuses, là, je sais pas si ça s'appelle de même, puis ils font des copeaux de bois pour protéger les aménagements paysagers, pour faire de l'engrais pour les plantes, fait que c'est vraiment le fun, c'est plus zéro déchet, mettons. Hey Cynthia, parfait, merci de le dire. Je vais. C'est sa dernière. It's his last straw. Fait qu'il est aussi bien behave Fortnite parce qu'on va le tasser. Oh yeah, Dan, salut de Carpentas. Moi, je suis à Montréal. Non, mon sapin, il est pas petit. Il est, ben oui, il est petit, mais il est pas en plastique, non. C'est un vrai sapin. Bonsoir de France, Samy. Mon Dieu, moi, je suis à Montréal. Il est tard chez toi. Oh! Si je ne m'abuse, on dirait une bière blanche. Et pourtant, non, c'est une IPA, mon cher Romu. Merci, Hubert. C'est gentil de dire que mon accent est beau. Nîmes, France. Oh yeah, Lulu Virage. Love Québec. Love Montreal. Ah, oh, Seth, it is a great province and city. I agree. Montreal is one of the best Canadian cities. I really enjoy Toronto, too. And I've been once to Vancouver and I really liked it from what I saw. Oh yeah, Juxte, santé de Québec. Du Québec. Karim, une bonne bière à proposer, mais pas une IPA agrumée. Mais je dirais que la blanche. La bière blanche, c'est une bière qui est souvent agrumée, mais qui est vraiment pas amère. C'est ultra doux la blanche. Moi, j'ai commencé avec la blanche. Si jamais t'es moins familier avec la bière, là. Ah, un vin rouge, Lulu, c'est excellent. Moi, j'en ai bu un excellent aussi cette semaine. Un Beaujolais qui est brassé. Qui est fait avec du lait. Ah oui, t'étais là quand j'en ai parlé.
Fait que voilà, je trouve ça vraiment intéressant comme fact. Montpellier en France, oh yeah! Très cool! Thierry Bensala est en Ah, Carl demande si Thierry Bensala est là. Ça se pourrait que non, il est quand même tard en Europe. Là. Un rhum blanc des Antilles. Ah, t'as vu mon Trois-Rivières, toi? Ah non, c'est Martinique, Trois-Rivières. Non, j'ai... Ouais, non. Français, le vin, bien sûr. Ah, ben là, le solitaire, c'est sûr. Hein? Je suis italienne, moi, du côté de ma mère, on est italien. Puis c'est ça, le vin, c'est très européen. Karim, oui, la blanche, mais québécois, connais-tu? La Souche font une excellente blanche. Sinon, Pit Caribou font une excellente blanche aussi qui s'appelle la blanche de Prato. Sinon, si on est plus international, il y a la blanche de Bruxelles que tu peux trouver en SAQ. C'est un petit bonhomme, comme un petit cupidon là, qui se tient zizi puis qui fait pipi. C'est une fontaine en Belgique que j'ai vue en vrai. C'est quand même cute, je trouve. Sinon, blanche, qu'est-ce qui est cool dans les blanches? Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Ah, ben là, David, on va bien s'entendre. Moi aussi, j'aime les bières avec du caractère, puis le bon vin. Celle que tu préfères, c'est la rousse. Te rappelles-tu de l'émission, de la publicité La Rousse est douce? Oui, pit caribou, pas pète de caribou, en effet. La Carillon de Griendel et la 99 de Arcana, je pense que c'est deux autres suggestions de blanche qui nous ont été faites par l'âme. Merci, en passant. Ah, oh, excusez-moi, j'arrête pas de perdre de Fortnite, je le vois pas passer, je suis vraiment désolée. Le caribou, ça se mange à Noël. Le caribou, ça chasse, mais c'est pas nécessairement à Noël. Là. Ça se mange à l'année. Puis tu parles de la statue du petit Julien. Ah! Je savais pas que ça s'appelait le petit Julien. C'est beau, merci. Allô du Québec? Ben moi aussi, je suis au Québec, Davy. Moi, je suis à Montréal. Allô? Ah, je pensais que c'était comme le cerf. Mais en fait, Lulu, c'est que le caribou, il est... Le cerf, il y en a partout au Québec. Le caribou, c'est plus dans le nord. Fait que c'est moins accessible que le chevreuil ou le cerf, comme tu dis. Coucou, Rebelle! Bonsoir de France! Oh yeah, TikTok sur Epo. TikTok Crew. Il fait pas froid. Non, on a du chauffage ici au Québec. Merci de t'inquiéter, c'est vraiment gentil. Avec du vin rouge, j'aime beaucoup les... la viande rouge, les tartares de viande rouge. Sinon, un bon spaghetti, une pâte avec une sauce tomatée. Mon Dieu, vous me donnez faim. Allô, French Anonymous de Paris. Moi, je suis à Montréal. Salut de Belgique. Oh yeah, on a des insomniaques dans la gang. Il est tard chez vous. Carl, j'aimerais bien ça que tu m'amènes ça ici. J'aimerais ça. Tu connais Pompounette? Non, je ne connais pas Pompounette. Ah, mais c'est pas une marque de bière. Wow! J'invite mon pays. Oh yeah, Sénégal! Ouais, Montréal ici, Québec, Canada! Fait chaud à Montréal, Tom? Non. Pas vraiment, non. C'est bien. En crise. Ah ouais, en crise, tu dirais, toi? Ouais. J'avoue, je suis pas sortie dehors aujourd'hui. Ah, ben là, Lulu, c'est vrai que le Québec, c'est vraiment différent de la France. Mais en même temps, tu sais, on a d'autres problèmes. Salut de La Rochelle. Salut, FR Osiris. Une bonne bière. Oh, il y a certains Blue Men. On est chez nous. As-tu déjà bu la Desperados? Non, Dougie, mais t'es pas le premier qui m'en parle. S'il te plaît, dis je t'aime. Je t'aime. Allô, je suis tellement content. Je viens de retrouver mes dents dans la boîte à pain. Oh là là, José Gagnon. Ben, good for you. Okay. Bonjour de Saint-Quentin, France. Bonjour. Il fait tellement frette. Ouais, à l'extérieur, c'est ça, j'avoue. Moi, je suis pas sortie. Je reste en dedans toute la journée.
Je suis de Montréal, puis t'as la tempête. Non, pour l'instant, le ciel est clair chez nous. Calice, il annonce une tempête. Ouais, j'ai entendu. Vous avez le bleu, vous avez le bleu, j'ai... Ah, ben mon Dieu. En fait, Samy, mon sapin, c'est un sapin bleu que ça s'appelle. C'est un bleu comme grisâtre un peu, là. J'ai comme pas rien de proche. C'est que je sors trépied, puis mon téléphone, il est plugué dans le mur, fait que je peux pas vraiment bouger mon setup, mais... C'est un genre de bleu acier. Un genre de bleu gris acier, genre. Jukil, ma viande préférée, j'aime beaucoup le bœuf. J'adore aussi la volaille. Je préfère, je pense, la dinde au poulet. Tu es seule, sans visite? Non, je ne suis pas seule. Yeah. Vive Québec! Oh yeah, bleu! Vous faites une belle tire à la neige. Ah, Jagger, oui! Au Québec, on maîtrise l'art de la tire sur la neige. Go, go, go! Et c'est naturel, c'est pas artificiel? C'est naturel, oui, Samy. Ça, c'est une variété de sapin qui pousse, je sais, for sure, au Québec, mais je sais pas si ça pousse ailleurs, en Amérique du Nord. Puis c'est un sapin qui, c'est ça, qui est très gris. Colin. Ça, c'est comme un genre de... Ah! Oh, mais attendez que je vais couper un petit morceau. Ça marche pas comme je voulais. Bon, attendez. Regardez, c'est comme un sapin, mais là on voit pas bien, là, mais il est comme bleu, bleu, gris, blanc, c'est différent. Ouais. Fait que checker, là. Ça, c'est un sapin bleu. Fait que ça, c'est un peu différent du sapin vert. J'en ai pas, là. Si j'en avais, je vous montrerai la différence. Fait que voilà. Je voudrais visiter Québec. Quelle ville vous me recommandez? Montréal, Québec City. Darren, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Si t'es plus le genre histoire, etc., ben je te suggère d'aller à Québec parce que c'est la plus vieille ville fortifiée en Amérique du Nord. Mais si t'es plus comme nightlife, restaurant fine gueule, ben là, je te suggère d'aller à Montréal. Mmh. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. Wow, je capote. Aïe, aïe. Ça me donne envie d'avoir un arbre, à la... un sapin, mais dans la terre, de même chez nous, là, wow. Tadoussac, oh yeah, Tilou! Hmm, je suis malade à Tadoussac. Ah ouais, vraiment, Jagger, le quartier chinois, le quartier latin, le Griffin Town, le Vieux-Montréal, il y a vraiment des quartiers extraordinaires, puis riches en histoire aussi, là. Vous m'envoyez du sortilège? Ah oui, le sortilège, c'est tellement un bon whisky canadien avec 25% de sirop d'érable par bouteille. C'est hallucinant comment il y a du sirop d'érable. Mm. Ou du caribou. Du caribou. Encore ça brosse. Ah ouais, j'ai l'air que quelqu'un ça brosse. On n'a pas la même définition. Encore ça brosse. Le plateau Mont-Royal, Tilou, c'est là où il y a tous les Français. C'est quoi que je bois, Blue Man? Je bois la IPA de l'île de Garde. C'est une IPA 2 points. Elle est américaine. Elle est excellente, bah, d'ailleurs. Yo, what's up? Salut, Advanced Garlic, what's up? Ah oh, ouais, Yager, la pourvoirie Osana, je la connais pas, celle-là.
Mon grand-père a été beaucoup dans les pourvoiries, mais plus dans les cantons de l'Est. Qu'est-ce qu'il y a ton sapin? Mon sapin, en fait, c'est un sapin bleu. Fait que les gens voulaient voir de quoi ça avait l'air, la couleur. C'est un genre de vert qui tire vers le gris, vers le bleu. Il est plus pâle aussi. C'est vraiment beau. Ça, regardez ça, comment ça brille. C'est vraiment... J'ai une question. Aïdara, les bières saoulent quand elles ont de l'alcool. Fait qu'il y a des bières sans alcool excellentes qui vont pas te saouler à 0%, 0.5%. Mais t'as des bières à 10% qui vont être excellentes aussi puis qui vont vraiment te saouler. Lucas, c'est des bois de caribou qui sont derrière moi. Le sapin n'est pas à vendre, non! Stinky Binks, merci. 6.1, c'est la don de Dieu. Ah, je savais pas qu'elle était à 6.1, la don de Dieu. C'est toi qui mets de la musique dans ton téléphone? Moi, dans l'autre. Mais d'ailleurs, j'aurais besoin d'un DJ. Peux-tu m'aider? Parce que je suis vraiment... Je mets genre les 4 mêmes tunes depuis le début de mon live. Non, c'est... Samy, ça a l'air vraiment beau chez toi. Ben là, merci, c'est super gentil. Ça fait longtemps que j'habite ici, fait que j'ai curated mon espace. Tout ce qui existe sur Terre ou en toi. Hein? Le sapin, non. Toi, tu es à vendre? Non. Tu peux acheter mes photos sur OnlyFans, mais ça s'arrête là. Sur une trentaine de pays visités, le Canada reste le plus beau niveau. Ah, merci de Lion! De humain. Après, c'est trop plat. Ah oui, c'est vrai. On est vraiment... Mais les Américains aussi sont vraiment gentils. Je sais que dans les nouvelles, on les portraye comme des genre des fous, mais... Moi, en tout cas, j'ai eu, tu sais, en Caroline du Nord ou du Sud, je me souviens plus, en Floride, les gens sont vraiment fins. En Californie, les gens sont fins. Alors, au Vermont, ben, tous les États qu'on a visités. Je suis jamais allée en Idaho. Ouais, c'est ça, mais partout qu'on est allé. Allô, Elseni? Pain de sapin? Non, c'est vraiment un sapin. Carl, mets donc de la musique. C'est vraiment un sapin. Québécois, un sapin bleu qu'on appelle. Ah, oh, merci, Abdou, c'est gentil. Bon, moi, je vais remettre la même tout. Ticoc, allô? Ben, le peu que j'étais aux US, j'ai pas aimé la mentalité. Ah, Jagger, mais ça se peut, hein. Tu sais, je veux dire, ça dépend des gens que tu rencontres. J'avoue que nous, on est chanceux parce qu'on va toujours rencontrer des gens qu'on connaît. Fait que peut-être que, tu sais, c'est pour ça qu'on a des meilleures expériences, les inconnus versus, je veux dire, la famille. Merci, Carlos, pour la rose.